La coopérative Unicoq traite et commercialise la totalité de la production de noisettes et de noix de ses producteurs adhérents. Dans une coopérative, la gouvernance, c'est un homme, une voix. Tous les adhérents sont sur un même pied d'égalité. Cette coopérative est une entreprise industrielle. Elle collecte, elle emballe, elle conditionne, elle expédie, elle fait les factures d'une production agricole. Contrairement à beaucoup d'autres entreprises commerciales où il s'agit de faire de la marge à l'achat, dans une coopérative agricole, on fait l'inverse. On essaie de rémunérer le mieux possible le producteur. On doit transformer les noisettes en argent, on doit rémunérer nos producteurs à hauteur de 70% du chiffre d'affaires que nous récupérons sur le marché. On a créé Coquille, c'est la marque phare du marché, c'est une marque de qualité de l'ensemble du processus. Les producteurs sont fiers, mais les consommateurs aussi sont fiers d'adhérer à cette marque. Pour nous, l'Europe, c'est un marché intérieur, hein. Mais depuis 3 ans maintenant, le marché chinois est un marché demandeur, un marché en expansion, qui est demandeur de marques, de produits de qualité, des produits français. Le développement, aujourd'hui, il est inscrit sur nos tablettes, c'est le 10-20-30. 10-20-30, c'est 10 000 tonnes en 2010, 20 000 tonnes en 2020, 30 000 tonnes en 2030. Notre développement dans un territoire rural nous impose à être performants, parce que nous ne pouvons pas déplacer le verger à l'étranger, nous ne sommes pas opéables par d'autres entreprises, donc le développement, il est forcément ici, avec les moyens d'ici. L'économie de la noisette est un élément fort de l'aménagement du territoire ici. Ça a permis de maintenir des exploitations, ça a permis d'en développer, ça a permis d'installer des jeunes et ça permet de développer globalement de l'activité et de l'emploi. On est très fiers d'avoir gardé ici nos enfants, nos métiers, notre futur.